Hey, salut tout le monde, c'est Walter, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo pour vous présenter un easter egg qui sera un verruque du DLC 5 de Black Ops 3. Alors voilà, juste avant que la vidéo commence, je précise que je fais cette vidéo, une courte vidéo comme celle-ci, car étant donné, alors vous verrez cette vidéo, je serai en Italie, donc voilà. Je pourrais peut-être pas voir les commentaires si jamais il n'y a pas de wifi dans l'hôtel, j'espère qu'il y en aura. Enfin bref, donc voilà. Alors pour réaliser cette easter egg de la fontaine sur la map verruque, il vous faudra en votre possession la Wunderwaffe DG2 que vous trouverez dans la boîte mystère, bien évidemment. Et tirer sur la fontaine qu'il y a au milieu de la map. Celle-ci se mettra à cracher du sang. Voilà, c'est un petit easter egg sympa. Qui peut-être amènera un secret, ce qui pourrait être vraiment sympa. Mais ça m'étonnerait fortement. Je précise que je n'avais pas trouvé l'easter egg moi-même, bien évidemment. J'avais entendu quelques rumeurs qui disaient ça. Et je vais vous le confirmer par moi-même. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Et j'en profite de vous faire cette vidéo sur Verruque pour présenter un deuxième easter egg, si on peut appeler ça comme ça, sur cette map. Alors cet easter egg se situe juste à côté du courant, dans les douches. Comme vous pouvez voir, il y a deux douches, une qui ne marche pas et une qui marche mais qui fait couler du sang. Vous n'avez qu'à vous mettre sous la douche qui coule du sang et vous aurez le sang qui coule sur vous. Je ne considère pas ça comme un easter egg, mais un petit détail bien sympathique que je voulais vous montrer. Bon voilà, à l'heure où je vous parle, nous sommes le mardi 16 mai. Il est actuellement 17h, donc j'ai pu vraiment pas mal tester le DLC, ce que j'ai fait. Et j'ai surtout testé deux maps qui sont Verruque et Killzone Totem, qui sont vraiment des maps qui m'attirent, je ne sais pas pourquoi. Et franchement, si jamais vous hésitez à acheter le DLC 5, je vous le recommande fortement. C'est peut-être cher quand même, comme j'ai dit dans ma vidéo d'hier. J'ai dit quand même que le prix était quand même assez élevé, je trouve, mais d'un côté, il en vaut vraiment la peine parce que, franchement, moi, ça m'a rappelé plein de souvenirs avec Killzone Totem, Nadderen Totem et Origins, étant donné que non plus, je n'ai pas pu jouer aux autres maps, étant donné que je n'avais pas les packs. Mais franchement, je vous conseille vraiment de l'acheter si jamais vous avez jamais pu jouer à des maps telles que Origins, Verruque, justement, Synonyma ou quoi. Bref, vraiment des maps auxquelles vous n'avez pas pu jouer et que vous pouvez aujourd'hui jouer, je vous conseille vraiment de l'acheter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir ma dernière vidéo qui est une découverte justement de Killzone Totem sur Black Ops 3. Je l'ai sorti hier, donc voilà, je vous invite vraiment à la voir. Et sur ce, moi, je vais vous laisser, c'était Walter, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, allez, bye!